L'agent Dufir a été séparé d'Alice Wed. Sa position est inconnue et elle ne répond pas aux appels sur son communicateur. Les parasites empêchent toute observation par le satellite Hannibal 3. L'objectif principal est de localiser Alice Wed et de sécuriser la zone de déploiement pour l'hélicoptère d'évacuation. Eh bien, salut à tous, c'est Barof et bienvenue pour un nouvel épisode de Fear. Effectivement, on a été séparé d'Alice. On est censé l'accompagner jusque... Ah bah voilà, comment on a été séparé? Je me souviens de la panne de courant dans l'ascenseur. Ensuite, ouais. Je me souviens être arrivé en haut et vous n'étiez plus là. Vous devriez voir les dicots d'évacuation. Il est là. Cool. Très bien, allez. Ah bah non. C'est dingue à la fin. Je ne veux pas attendre ici. Mon père est en danger. Votre père s'en sortira très bien. C'est vous qui vous inquiétez. Calmez-vous. Désolé. Bitway. Ça, ça pue par contre. Non, qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Ça pue, ça pue. Ok. Bon, bah qu'à sauce. Interceptez-la avant qu'elle ne se fasse tuer. On peut sortir par là, non? On peut sortir par là. Non? Bah par où? Ah voilà, d'accord, je comprends mieux. Je me disais, c'était bizarre quand même. Bon les copains, vous êtes où? Coucou. D'accord. Il y a quoi là-bas? Oh, ça a l'air d'être des spéciaux ceux-là. Non? Clac. C'est pas la peine d'essayer d'ouvrir cette porte, je pense que c'est perdu d'avance. Hop, 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 hop. Attends, on perd. C'est assez ou pas? C'est assez. Ok. Sinon, là-bas, d'accord, bah j'arrive. Voilà. Tiens, toi, petit creux. Voilà. Et toi, voilà. Ah bah on commence directement dans le bois dur. On va pas s'en plaindre. Hein. Rien à récup, d'accord. On va aller voir là-dessous. Derrière, rien du tout. D'accord, c'est la suite. Mais avant ça, je vais m'assurer que... Non, rien là. Ok, bah écoutez, de toute façon on nous attend. Hein. Ça va être la grosse bagarre, je pense. Là, rien. Vous entendez? Oh, dis donc, si je me soignais un petit peu. Voilà. D'accord, c'est ça qui fait du bruit. Là. Rien de particulier. D'accord. La vue est magnifique. Bon, on voit que c'est un vieux jeu. Hein. C'est pas grave. Ça n'empêche pas d'être fun. Je vais aller voir là-bas quand même, dans le fond. Ah oui, il y a un loustique. Aussi bien, peut-être un peu de mune pour moi, lui. Qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai ça et ça. Je vais le garder, ça. En plus, j'en ai un peu plus. Ouais. Non, je suis pas trop mal. Ah, bah, merci. Alors, on a l'idéal. En plus, le pompe ici, c'est l'idéal, je pense. Ah, bah, très bien, ça. Hop là. Tiens, manchot, toi, voilà. Wow! Attends. J'arrive. Ok. On va attendre que ça s'éparpille un peu là parce qu'on voit rien évidemment. Lui il est ouf, il est là. Voilà, pleine tête. Fusil à pompe toujours aussi précis. Ça fait rire parce qu'il est parfois il est presque plus précis qu'un sniper ce fusil. Vive le pompe d'enfir. Ok, rien. Ah, je suis encore... Je m'en chaud là. Ah, j'ai plus vraiment, j'ai plus d'armure. C'est vrai que je suis un peu le fou. Soyons prudents. Encore là. Hop là. Ok, attends, je fais un peu n'importe quoi avec mes contrôles. Voilà, voilà. Là c'est good. Là vous me donnez quoi les gars? Rien. Là on me donne ça ok. Et ça c'est... Ah bah c'est le pénétrateur, d'accord. C'est la suite, c'est sûrement la suite, d'accord. Mais d'abord, allons voir par ici. Hey yeah! Merci. Il n'y a rien de plus. Hein. Bon. Allez, on avance. Petit gilet pare-balles quoi, ça aurait été cool.
Bon, là, on va s'en prendre la dépense, j'imagine. Oui. Oui. Hop là. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je dois m'assurer qu'il va bien. Écoutez, je veux bien vous aider à chercher votre père, mais vous prenez trop de risques en ce moment. Ok. Ouais. Vous aviez dit que je serais en sécurité dans l'hélicoptère. Les soldats sont à votre recherche. S'ils vous reprennent, ils vous interrogeront. Croyez-moi, leurs méthodes sont peu raffinées. Je tente le coup. Ouais, au fait, j'arrive de là-bas, moi. Une espèce de petite grue bornée. Ouais. Donc on va aller voir ce qu'il y a ici. Est-ce que ce serait la suite? Je fouille un petit peu. Ah, ça c'est cool, on récupère de quoi se soigner. Ah! Bien ça! Allez là-haut, elle! Oh, c'est quoi ce truc? Espèce de lumière bleue là, bizarre. Alors ce serait la suite, d'accord. Enfin, je suppose. Ah, bien ça. Clac. Ah non, c'est juste un téléphone. Zut, je crois que c'est autre chose. Vous avez trois nouveaux messages. Trois messages. Message de... Alan Wayne. Salut Phil. C'est Arlan. Je crois bien que Geneviève a l'intention de prendre des mesures drastiques pour se couvrir. Je suis foutu si Alwans et les Spots s'aventurent près de la chambre. Elle a déjà poussé assez de dégâts en pensant qu'elle pouvait arriver comme ça et tout recommencer à zéro. Si elle vient te demander de l'aide, dis-lui bien qu'on n'a pas fermé cet endroit sans de bonnes raisons. Message suivant de Geneviève Aristide. Phil, comment vas-tu? C'est Geneviève. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu chez Maurice. Faudra qu'on aille prendre un verre quand ça ira mieux. En parlant de ça, j'ai un service à te demander. Je sais que toi et Arlan êtes des amis de longue date. Je me demandais si tu pouvais essayer de le réparer. Il ne pardonne toujours pas d'avoir envoyé ces gens dans la chambre. Comme si je me réjouissais de ce qui s'était passé. J'ai fait une erreur, mais je ne vois pas pourquoi tout le monde devrait payer pour ça. Merci d'avance pour tout ce que tu pourras lui dire pour le ramener à la raison. Message suivant de Geneviève Aristide. Salut, c'est Geneviève. Je voulais juste te rappeler que les bâtiments d'origine posaient des problèmes bien avant le début de cette affaire. J'essayais simplement de rattraper les erreurs passées. J'espérais qu'on pourrait rénover ou même reconstruire le site, mais les risques sont trop grands. Je ne vois pas d'autre choix que de tout détruire. Tu as une meilleure idée, n'hésite pas. En attendant, moi, j'ai une entreprise à sauver. Fin des messages. Ouais, bah la Geneviève, elle est pas très à l'aise dans ses baskets, apparemment. Hein. Elle se raccroche aux branches et puis c'est pas de ma faute. Oh bien ça. Et on apprend aussi qu'ils ont enfermé des gens dans cette fameuse chambre. La chambre d'où viendrait le problème, a priori. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. J'imagine qu'on va aller jusque-là, jusqu'à la chambre. Attention, sol glissant, d'accord. Ah, je croyais qu'on... On peut quand même pousser, ça. Ah non, c'est collé. C'est... C'est quoi? Ah, en construction, d'accord. Enfin, c'est même plutôt l'inverse ici. Ah non, non, non. Ils étaient en train de monter des meubles, d'accord. Super. Ça, c'est du lore, hein, n'est-ce pas? On en apprend plein, du coup, de choses sur cet univers. Ok, alors ici, que dalle. Oula. J'aime pas ce que j'entends. J'ai plus d'informations sur Origine. Les prototypes ont été créés à partir d'une référence génétique. Je crois que c'est un euphémisme pour décrire l'ADN de quelqu'un. Rien ne nous permet de savoir qui fut l'heureux élu. Mais je parie sur Arlan Wayne, vu qu'il a lancé le programme. D'accord. Allez, on continue. Alors, ici... Elle est en fonctionnement, mais c'est tout. D'accord. Allez, ben on monte, hein. C'est de trouver Alice. Donc là, c'est fermé, on peut pas l'ouvrir pour l'instant. Non, ça a été dégradé. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça encore?
Waouh. Ok, bon. Nouveaux ennemis. Et... peut-être pas prendre le fusil à pompe pour eux. Je pense au pénétrateur évidemment, mais je préférais le garder pour des gros balaises. Bon, je suppose qu'il faut aller par là. Hein. Ah, quoi. Attends, on va aller voir. On va aller voir. Je sais pas. Non, non, ça donne. À mon avis, c'est pas ici. Allez. Voilà d'autres. Voilà. Ok, bon. On est obligé de s'exposer un petit peu quand même. Ouais, on nous file des mines pour le pénétrateur quand même. C'est ça, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est celui-là. Ouais, dans le doute, je reste avec ça pour l'instant. On verra ce que ça donne. Oh, encore un. On va essayer quand même. Il est où le bordel? Il est là. Ouais, c'est pas convaincant, hein. Franchement, je vais me le garder pour autre chose. C'est quoi ça? Non. Est-ce qu'il faut descendre là? Oui ou là? Vous la sentez la connerie? On va faire ça plutôt. Voilà! Évidemment! On va se faire attaquer, il est où? Il est là. Très bien. Alors, bah nous on va devoir descendre, hein, j'imagine. Voilà, et sauter par là. Tac, voilà. Cette porte là, ouais. Et on remonte. Ouh, ça, on prend. Voilà. Je pense qu'on peut passer par la fenêtre, mais la porte est ouverte aussi, donc... Oh, petite musique que j'aime pas. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? Rien de particulier. Allez, on poursuit. Non, on va pas descendre là. Bah évidemment. Voilà. Est-ce que ça nous mènerait quelque part ici? Oui mais non. Allez savoir. Rien de particulier à récupérer. Non. Très bien. Bon bah attendez les gars. Ok, il y en a un autre là-haut. Lui, on va se le faire plutôt comme ça. Ah non, il est où? Ah oui, il est là. Très bien. Oups, ils arrivent d'où les mecs? Enfin les mecs, les robots. Mais non, c'était bon. Ah, quel idiot.
Voilà. D'accord. Allez. On poursuit. Les porte-parole du gouvernement ont confirmé qu'un hélicoptère d'Atlantique avait été abattu. Le son que vous entendez au loin n'est pas celui d'un hélicoptère militaire, mais celui d'un hélicoptère appartenant au groupe d'assaut qui a attaqué le quartier général d'Armacam plus tôt. Tais-toi. Allez. Bah non, dis on... Ah si, là, d'accord. Ah tiens, bien. Ça, c'est cool. D'accord. Bah, de toute façon, ils vont arriver là, les gars. Ils vont découvrir ma baguette magique, encore une fois. Parfait. Et puis, je descends, mais à mon avis, il faut aller tout en haut. Hein. Ah, pas sûr du tout. J'ai l'impression que je fais ça. Oh, si vous avez vu, j'ai bien fait de descendre. On va tenter d'aller tout en haut. Ou est-ce qu'on s'arrête au cinquième? Ah. Oui, on va passer par ici quand même. Vous avez deux nouveaux messages. Premier message de... Harlan Wade. Geneviève, ici Harlan Wade. J'ai bien eu ton message. Premièrement, ne fais pas comme si tu savais ce que je ressens. C'est insultant. Et ne me dis pas comment enterrer ces vieux démons comme une psy à deux balles. En fin de compte, on n'en serait pas là si tu n'avais pas ignoré mes avertissements. Et là, tu veux t'enfoncer encore et encore. À force de t'enfoncer, tu vas te retrouver direct en enfer. Message suivant de... Phil Vecchio, j'ai eu ton message, Geneviève. Je pense que ce que Harlan essayait de te dire, c'est de ne pas tirer de conclusions hâtives. Je comprends qu'on ait des délais à tenir, mais il faut penser de façon stratégique. Rouvrir la chambre maintenant me semble être une mauvaise idée, après tout ce qui s'est passé. Ça ne ferait probablement que rajouter de l'huile sur le feu. Fin des messages. Bon, Phil Vecchio est un peu plus diplomate hein, dans le ton, on va dire. Ah, il y a du monde là. Bon, hop là. Coucou. Non. Wow, culé. Bah tiens les gars. Hop, je barre. Ok, il y a encore un autre, je pense. Il va y avoir encore. Oula. C'est bon les gars. Oh, merci. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais, je m'en doutais. C'est marrant, hein. Je m'en doutais. Vas-y, vite. Allez, venez. Venez, venez. Et voilà. Un petit coup de baguette magique. Ah, ça la détruit pas. Je suis deg. Voilà. Voilà, c'est un peu... Ah si, quand même. Si, si. Avec mon fusil à pompe sniper. Ah, encore une grenade. Allez. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai fait le con. C'est... Ah si. Si, ça a fonctionné, bah ma foi.
Par contre, là, on va changer. On va aller chercher les mecs. Il y en a un qui est par là, logiquement. Ouais, voilà. Clag. Ok. Très bien. Ah, bien ça. Eh bien, Fetten ne provient pas de l'ADN de Harlan Wayne. Il y a un email de Wayne qui explique que le sujet se trouve en coma artificiel. Les mecs de la sécurité d'ATC ont tué Bishop parce que quelqu'un ne voulait pas que ça se sache. Ils ne sont pas seulement acquis à cause d'une expérience de bio-ingénierie douteuse. Je crois qu'ils camouflent quelque chose de bien plus méchant. Alors maintenant, par où on va passer? Ah bah par là. Ordinateur, non. Ascenseur, non. Là. Oui. Oui, oh oui, oh oui. On va bien se finir parce qu'on tient un gros balèze quand même, hein. Avec tout ce qu'on nous donne là, je suis pas confiant. Allez, on grimpe. Bon. Désolé de vous contrarier. Je viens d'arriver à ma voiture. Miss Wade, si vous pouviez attendre une minute. Je ne peux pas, je dois y aller. Miss Wade! Eh merde. Allez sur le toit du parking pour la récupérer. Vous pouvez encore y être avant elle. Ouais, je sens le... la couillonnade. Ok. Ah bah oui, tiens. Oh là oui. Oh là. Là, ça sent... le fight. Par contre, au niveau greux, c'est la merde. Alors du coup, on va peut-être prendre ça, plutôt. Voilà. On va rester là-dessus pour l'instant. Je suis vraiment pas confiant. Voilà. Ça. Il fallait s'y attendre. On va y aller petit à petit. Voilà. Bien ça, pas très bien, ça va, on s'en sort. Très bien, je sais pas, mais hop là, clac. Bon, c'est pas si mal. Oh bah alors, qu'est-ce qui lui arrive lui? Il s'est retrouvé enfoncé dans le placo. On va regarder s'il y a des petites choses à retrouver. Il arriverait d'où lui? On l'entend, bah de l'autre côté du mur sûrement. Ah oui d'accord, là-haut. Ah bah il y a de leur camion. Voilà, parfait ça. C'est pas trop mal. Oh bien. Clac. Oh 99 en mune. On est bien. Franchement on est bien. Allez on poursuit. On vous sent arriver quand même le gros robot, un truc dans le genre. Ou c'est dans le 3 peut-être, je crois dans le 3 il y a une phase comme ça dans un parking. Et on se retrouve confronté à... Bah, le problème qu'on a là c'est que... C'est qu'on est... On manque de grenades quoi, ça qui est chiant. Donc on va reprendre le... Voilà. C'est qui fait ça? Ah oui, il y a du monde là-bas derrière, d'accord.
Alors, attendez, hop là, on va d'abord faire ça. Wow, 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 calmez-vous les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Disparition. Gérard Majax pour ce... Alors Gérard Majax, hein, c'est vraiment pour les plus vieux d'entre vous. Bien ça ou pas? Non, pas assez. Ok, non, pas celui-là non plus, celui-là. Ok. Qu'est-ce qu'on entend? Y'a quelqu'un? Non. Ah, c'est peut-être ma propre radio. Ok. Alors, une porte ici, elle s'ouvre. Tac, là rien. Un hélico là-haut. Hop! Mais vous êtes fous les mecs! On va plus tard, faites-moi décoller cet appareil!